fier d'être celui que je suis. Mieux vaut l'âme y apprendre de ses erreurs pendant qu'il est encore temps, car la vie ne tient à pas grand-chose, et pour être un peu plus explicite, ne tient l'âme qu'à un fil de rasoir. La politique est devenue une véritable mer à boire, oui, une véritable honte au Congo. Des gens qui jouent là à la roulette russe, avec des mots afin de flouer le peuple congolais, alors que les choses sont bien claires. Si la politique est l'art de tromper le peuple par des beaux discours aujourd'hui, ces discours font l'âme et tachent d'huile sur la réflexion de l'homme. Et la bonne conscience de nos politiciens qui résistent là, mais à peine à l'attrait de l'argent, et préfèrent mettre leurs valeurs dans leur poche pour sauter sur cette belle occasion honteuse, pour tracer là leur chemin, tout en oubliant celui dont ils s'en défendent. Je crois aux valeurs de la responsabilité des hommes face à l'histoire. Chacun de nous a une mission bien définie ici-bas et doit absolument tout faire pour la mener à bien, pour ne pas dire à bon port. La politique est trop sérieuse pour continuer là à la confier à des irresponsables qui ne pensent en premier qu'à l'argent, au lieu de penser plutôt au bien-être du peuple. À croire que les criminels ont les fessiers du pouvoir pour avoir confisqué les trésors publics. Le malheur du Congo, c'est que les pillards font la loi pour avoir pris le contrôle de ce pays et achètent à tour, oui à tour de bras, les politiciens congolais avec ce qui leur ont volé, et malheureusement, oui malheureusement, cela marche à notre plus grand regret. Voilà comment notre conscience est mise en mal. Oui, voilà comment notre conscience est malmenée par des truands sans foi ni loi. Et nous venons aujourd'hui à douter de tout le monde, simplement parce que nos modèles ont démissionné pour n'avoir su la résister à cette attraction diabolique de l'argent sale imbibé du sang du peuple congolais. Je n'ai jamais trahi personne et je ne me suis aucune fois trompé sur le Congo. Et ma confiance est telle que je ne vois personne qui pourra me convaincre du contraire et encore moins m'acheter. Je lutte pour un idéal commun qui remettra le peuple congolais au centre de nos préoccupations. Oui, je lutte comme un farouche facochère. Ce qui se passe au Congo est un génocide et un crime contre l'humanité, à travers lesquels on vient de nous démontrer que les théories qui tentent, oui, à justifier l'injustifiable, sont là, mais de véritables cancers de l'humanité. Et plus que sûr, ce que tout le monde voit et constate ne doit pas nous désorienter par une critique propagandiste qui fait fi de ne pas voir ce qui se passe. Je suis simplement dégoûté par ceux qui se croient plus intelligents que nous et qui s'accrochent là, mais mordicus au pouvoir. Et se justifient toujours que leur objectif n'est pas encore atteint dans le but de s'accrocher
simplement au pouvoir et font tout pour nous empêcher là de nous accomplir dans notre marche en avant d'une société émancipée. On fait tout pour nous tourner là en bourrique, en nous laissant croire que nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour comprendre ce qui se passe et les enjeux politiques, économiques et géostratégiques ne sont pas de l'ordre de notre compréhension. Oh mon Dieu, il serait vraiment temps qu'ils commencent là à nous prendre au sérieux. Je ne fais pas de la politique, mais je suis un homme sain d'esprit et libre qui n'accepte point l'humiliation et la ségrégation. Et je n'ai jamais perçu l'homme. Oui, je n'ai jamais perçu l'homme sous ces stéréotypes qui arrangent bien certains. Et la couleur de la peau n'a jamais été, pour ma part, un critère de jugement. L'humanité doit se ressaisir et reconquérir là le cœur des hommes, le cœur de nos illustres institutions, pour pas que se laisser aller continue là à déstabiliser notre monde, à commencer par notre environnement le plus immédiat. Oui, je me vois mal dans un monde aussi maladroit qui pêche par vanité. Et la souffrance du peuple congolais est là le miroir même de la laideur de l'humanité et de ceux qui gouvernent ce monde. Et tant que cela durera, ne venez pas surtout nous parler de l'humanité et de ses valeurs que vous avez tous trahies par un complexe sans doute de supériorité. Pour ne pas voir là émerger un pays noir africain aussi riche que le Congo. Je ne suis pas aussi intelligent que vous, mais ma conscience, toute une belle science, est telle que je n'ai jamais douté de moi, que je n'ai jamais douté de ma foi et surtout de la pertinence de mes propos. À bon entendeur, salut. D'amour.